love the way you bounce pon rhythm, a bad girl ting. Bounce pon rhythm, a bad girl ting. Way you bounce pon rhythm, bad girl ting. Hello, je suis de retour. Donc là, je vais faire un soin au Capitone. Donc une plante, une poudre indienne. Donc je vous explique un peu. C'est la première fois que je vais l'utiliser. Donc il faut le mélanger avec de l'eau ou de l'huile ou du lait. Ensuite, il faut l'appliquer sur les cheveux et masser tout doucement. Et puis, il faut laisser appliquer 60 minutes. Se laver les cheveux avec de l'eau chaude et se rincer avec de l'eau froide. Donc voilà, c'est à l'amla, comme d'hab, et je sais pas quoi. Les ingrédients, donc amla, maca leaf, ouais, que des plantes. Il y a du shikakai, etc. etc. Donc je vous dis, alors c'est une thérapie, ça ajoute une nuance brune aux cheveux et ça donne un ton naturel. Donc il y a comme ingrédients naturels d'aloe vera, de l'amla, du shakakai et d'autres herbes officinales. Donc ce calpiton, alors aide à endiguer pellicule, perte de cheveux et grisonnement prématuré du cheveu. Le mélange doit être utilisé comme une pâte épaisse dans de l'eau ou de l'huile. Donc voilà, faut le garder une heure. Alors, peut aider à fortifier les racines et à favoriser la pousse du cheveu. On sait déjà que j'y crois pas. Donc voilà, le sachet est comme cela. Et puis il y en a 100 grammes. C'est parti pour le mélange. Donc là, j'ai décidé de mettre un peu de poudre avec de l'huile d'amla, mon huile de coco achetée 1,95€ à Château Rouge au magasin Jasmin, merci Miss Sahel, et puis je vais mettre de l'huile de pépins de raisin. Donc voilà, alors je vous laisse regarder dans ma boîte. Ah, ça sent pas très bon. J'espère que vous voyez bien. Moi, attendez, je mets tout ça de poudre. Alors c'est parti pour les huiles. Bon, comme d'hab, mon téléphone vibre quand je fais des vidéos, hein. Donc de l'huile de coco. J'en ai mis une bonne petite dose pour nourrir et lisser la fibre capillaire de mes cheveux, de l'huile d'amla, qui, voilà, est mon huile favorite, et un peu d'huile de pépin maïs. Voilà. Donc, je vais mélanger le tout. Hop, on mélange. La pâte est bien brune, elle est un peu liquide, donc je vais en rajouter. Je vais rajouter encore de la poudre. Je vais mettre un petit peu d'eau de source et puis je reviens plus tard. Voilà mes cheveux, donc je les ai lavés avec mon shampoing Sebiporex, Sebipore plutôt, je crois que c'est Sebipore, je sais plus, donc pour les démangeaisons que mon dermatome m'avait donné. Et puis ben là je vais appliquer cette poudre. Donc voilà, ça fait une grosse pâte épaisse. Carabou. J'espère que ça va faire du bien à mes cheveux. Et oui, et à cause des produits Jane Carter, j'ai eu de la cache. Donc voilà, j'espère que ça leur fera du bien. Je ne parle pas toute seule, je parle à ma caméra. On va manger à quatre pattes, hein. Bah oui, il y a des têtes sur la tête, là. Elle est là. Donc voilà, là, j'ai appliqué tout ça dans mes caméras. Allez, sort là. Allô.
Il la voit pas, tu te verras. Là, tu vois pas, là. On peut pas faire des vidéos tranquilles ici non plus, hein. Ça y est, c'est parti pour la fiesta. Donc, voilà. Hop, j'ai appliqué ça dans mes cheveux. Je fais un film. C'est quoi que tu mets sur tes cheveux? Ah, dis donc, t'es toute nue là, va t'habiller. Oui, à la salade là. C'est toi qui l'as fait hier? Ça fait quand? Ouais, ça a pimenté hier. Donc voilà, en plus là, ça fait des beaux quoi. Ça me plaît, bien. Et puis d'un... Tête à vous, s'il vous plaît! Donc voilà. Bon bah, il y a beaucoup de gens chez moi, donc voilà. On s'en fout, hein. La vidéo est faite. Je vais pas la refaire, comme d'hab. Donc voilà, j'ai bien appliqué le produit. Voilà. Donc voilà, j'en ai mis partout. Et puis, ben voilà. À tout à l'heure. Alors, voilà mes cheveux. Voilà mes cabas. Tac. Donc oui, les cheveux, ça va, j'ai bien aimé pour l'instant, voilà, mes cheveux se portent bien, le soin, je pense qu'il a été bénéfique pour mes cheveux, bon, pas là par contre, parce qu'en fait, j'en ai pas, je pense que je n'avais pas mis assez, surtout sur cette partie-là, or que je pense que là, j'en avais grave besoin, mais bon, tant pis, Alors voici mon sérum. Quand on le mélange, tac, j'en ai mis. Donc oui, mes cheveux sont... Mes boucles sont un peu brillantes. Mais bon, je sais pas. Je vais essayer. Je vais le terminer et puis je vous en dirai plus. Donc voilà. Voilà mon soin aujourd'hui que j'ai fait avec le Calpitone. Donc oui, ça a un peu changé la couleur de mes cheveux. Mais pas trop. Et je l'ai laissé que 40 minutes, pas une heure. Donc voilà. Parce que je commence à avoir une plaque rouge ici. Donc voilà. Je me suis dit que c'était peut-être dû à ça. Donc j'ai préféré l'enlever et pas le laisser plus. Mais bon, ça a été quand même... Ça a eu le temps d'agir, quoi. Allez, à plus les filles.